les insectes pollinisateurs utilisent-ils les ressources alimentaires disponibles dans les villes et les villages? Par contre, il y a trop de mauvaises herbes. Et beaucoup d'insectes. Bonjour les nouveaux voisins. Bonjour. On monte dans une guêpe. Attends, elle est pas morte, j'ai trouvé l'insecticide. C'est bon. Non mais ça va pas. Quoi? Là, vous avez jamais entendu parler de la pollinisation? La pollinisation quoi? La pollinisation. C'est quoi? C'est dans un film ou une série? Non, c'est une abeille qui vient sucer du nectar. Le pollen va le déposer sur ses poils. Ensuite, va aller dans une autre fleur. Après, les graines de pollen vont se poser sur le pistil. Il va créer un tube pollinique. Le spermatozoïde va rejoindre l'ovule. Ce qui donnera soit une graine, soit un fruit. C'est quoi un pollinisateur? Une chauve-souris, mais pas en France. Un coléoptère. Un papillon. Une abeille. Le vent. Des oiseaux. Des moustiques mâles. Ok, mais tout ça, ça sert à quoi? Ça sert à avoir des graines, des légumes et des fruits. Pas de pollinisation, pas de nourriture. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Des hôtels à insectes et planter des fleurs partout. Ok. Ah, ok, j'ai mieux compris. Tout le monde est pour jeter l'insecticide. Oui. Merci. Merci à l'Éducation nationale. Académie de Poitiers. Canopée 79. Conseil départemental 79. Ifré. Union européenne. Merci aux enfants et à la super Madame Tricoche.